Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième manche du championnat 2006 de Formule 1 au Grand Prix de Malaisie. Donc on va faire directement les qualifications, je me suis entraîné un petit peu avant bien sûr. Donc du coup, c'est parti. Ouais, on va passer à cette séance, alors j'espère qu'il fera Nous beau. Sommes à Sepang en Malaisie pour une nouvelle heure de qualification en F1. Je vais voir un peu, s'étendre, ouais ça c'est bon, on va garder, tenue de route. On va garder ces réglages là. Tout est prêt, alors sans plus tarder, passons à la première séance. On va donc quitter le garage. C'est Thiago Montero qui rejoint le premier à la piste. Et c'est donc parti pour la première séance de qualification. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, on essaie libre pour vous faire la faire courte, j'étais dans les derniers, hein. J'étais pas non plus très bien placé. Je vais essayer de voir si dans tous les virages on a un bon grip, parce que c'était vraiment la difficulté que j'avais, c'est que j'avais l'arrière qui chassait énormément. Ça semble un peu résolu, mais... J'ai du mal à sortir. Hein. Sortir du virage. Je vais laisser passer la Toro Rosso. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a ralenti d'un coup là? Bon, le problème c'est que là il va nous mettre la pression, donc on va laisser passer, voilà, tranquillement. D'ailleurs on a une super augurie. Bon, le but ça va être passé en Q2, enfin on va essayer. Alors, le problème c'est que puis au moment où j'arrive, il y a une McLaren devant. Du coup j'ai loupé la corde. Oh, la McLaren qui est partie à la faute. Ça va m'arranger en fait, hein, parce que ça va me permettre d'être tranquille devant. Alors je vais essayer de faire un tour normal, hein, histoire de faire un temps déjà. Ce virage qui est assez particulier parce qu'il y a une petite bosse en sortie, voilà. Et du coup, bah c'est génial. On va revenir au garage. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet. Et du coup, je vais augmenter un peu les ailerons. 1m60, 63. Je pense que ça devrait être bon. Parce que je manque de grip en fait. On va faire retour. Kimi Raikkonen, Nick Hedfeld. Allez, bon là on n'a pas beaucoup d'avoir de temps, il nous reste que 6 minutes. Il y a d'avoir un beau bouchon là devant. Pas forcément sorti au bon moment. Oh là là, un peu plus le baron d'œil qui s'en fout de nous. Alors. Je vais passer la Renault. Bon, complètement loupé. Ouais, je vous disais, bah vous l'avez vu, hein. La réaccélération. Ouais, hop, la réaccélération ici, bah c'est ouf. Enfin, faire gaffe. Donc là, normalement, elle devrait aller un peu plus lentement. Je vais pouvoir du coup
m'éloigner un peu. Le problème c'est que si je laisse passer la Renault, il y a aussi une autre voiture. Bon, je vais essayer de la suivre. Comme ça, ça fera de l'aspiration, on fera toujours ça de prix. Ah non! Eh ben bon, tant pis. Il va me repasser, super. Yuji Hide boucle son tour. Il ne doit pas être content, sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. La vitesse, la différence d'accélération entre la Renault et nous. Mark Webber boucle un tour complet. Ralf Schumacher obtient un nouveau temps de qualification. Yarno Trulli obtient un nouveau temps. Jenson Button boucle son tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Il faut vraiment prendre l'intérieur. Là, ça c'est bon. Pas trop perdre du temps. Je vais essayer de faire un autre tour. Oh non! Ah bah là j'ai perdu trop de temps. 36 c'est énorme. Il y a 37, je suis 21ème. À cause de cette erreur. Allez, on va essayer de faire mieux. Ah, j'ai complètement loupé le dernier secteur. Je suis déjà en avance sur mon premier secteur. Réalise un nouveau temps autour. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Ah, nous aussi, hein, la voiture, elle est à l'agonie. Yarno Trulli obtient un nouveau temps. Ah pareil, je suis loupé, 2 dixièmes de retard. Deuxième secteur était assez moyen. Bon là faut vraiment pas que je me loupe par contre. Il va me rester qu'un tour. Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification. À 36-3. Se réalise un nouveau temps. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Ah, complètement, hein. Complètement pas adapté, ouais, je confirme. On va quand même essayer, mais. Nick Hedfeld achève son tour complet. Il a assez bien marché, pas mal du tout. En fait, je tombe en bonne descente, mais c'est pas grave. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Où ça a été limite. Jenson Button boucle son tour complet. Ah, 17 secondes, je pense que je vais même pas pouvoir finir mon tour. Kimi Raikkonen termine son tour. Il
Alors j'espère que je vais pouvoir le finir, mais je pense que non. Oh non! Aïe aïe aïe, je suis dégoûté. Je me suis tapé la main, c'est magnifique. Oh là là, bah non. En plus j'avais 6 dixièmes d'avance. Bon, 6 dixièmes d'avance, je serais peut-être pas passé. Mais 6 dixièmes, j'aurais été à une 35-7. Ouais, j'aurais même pas gagné une place. Bon, bah tant pis, hein. On va du coup passer à la séance suivante. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11. Bon, moi j'ai filmé qu'on coéquipe. Pied, si je suis pas de bêtises. Non, mon terreau a fait 17. Donc en fait, j'ai fait moins bien. La première séance est terminée. Nous connaissons les occupants des positions 16 à 22. Cette nouvelle séance va Alors, on va quitter la séance. Nous allons pas... Avec donc Rachumor, Weber, Baikelo, Rosberg, Coulthard et Villeneuve qui ne passent pas. Ils étaient 22. On va faire quitter la séance, voilà. On va passer à la dernière. Et c'est Massa, du coup. Qui va partir en pole devant Alonso, Raikkonen, Montoya, Mick Schumacher, Fisichella, Heidfeld, Hamilton, Trulli et Klein. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire au mieux. Alors, la course. Nous sommes en direct de l'étonnante ville de Kuala Lumpur, qui accueille le Grand Prix de Malaisie. Il a pas l'air de faire super beau, hein, pour le moment. On verra s'il faut changer les gommes à un moment ou pas. Nous avons Felipe Massa. Bon, du coup... Ah oui, mais d'accord, mais en plus, j'ai même pas pu changer. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. Bon bah go, hein. Et la course a commencé. Ouais, bon, départ correct, c'est pas mal. Oh là là, gestion. Ici, je vais garder l'extérieur. Que choisit l'intérieur, moi je regarde l'extérieur. Attention au freinage, on s'est légèrement touché. Ah, c'était marrant parce que dans l'ombre j'avais l'impression d'avoir les pneus morts. On va faire attention au virage. Bon, on est 14e, c'est pas mal. Un bon départ. Oh là 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 là, il en a tapé l'arrière de là. Malheureusement, il n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Christian Albers a pris part à l'accident. Oh, j'ai cru que c'était ma roue, c'était la sienne. Eh mince, bon, c'est pas grave, hein, on va quand même. Ah bah oui, je voudrais bien pas doubler, de toute façon, je suis dernier. Ah là, mauvais départ malheureusement. Lui c'était bien parti mais on s'est touché avec la BAR, pas la Honda. Putain, faut pas que je fasse des bêtises. Bon, on va quand même essayer de suivre. Ah, j'ai réussi à gagner 4-5 places là. Finalement, niveau temps, il fait beau, hein. Enfin, il fait pas moche. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Alors, 3 secondes de retard. Et deuxième, Raikkonen est en troisième position. Juan Pablo Montoya est quatrième. Giancarlo Fisichella est cinquième. Il est parti sixième. Schumacher est sixième. Il a perdu une place par rapport à sa position sur la grille de départ. À la septième place, Button et Christian Klein. Est en 8ème position. 2 secondes et demie de gagné dans la première portion. En train de les recoller, c'est déjà la bonne nouvelle. Bon, on recolle les super aguerris, hein, c'est pas non plus mirobolant. Plus vite j'aurais recollé le peloton, plus vite j'aurais mes chances. Tu viens de battre ton meilleur temps dans la deuxième portion. Bon, le problème que j'ai aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de tests de pointe.
Allez, c'est bon, on a recollé. Par contre, c'est sûr, quand on voit l'écart avec les leaders là qui sont déjà dans le. Après la première chicane. Super temps dans la troisième portion, ne te relâche pas. C'est l'intérieur, ouais, c'est bon. Allez, on va essayer maintenant de s'attaquer à Sato. T'as fait 5 dixièmes de mieux dans la première portion. Ouais, à l'extérieur, ça peut passer. 20ème pour l'instant, 20ème. À dépasser ici, c'est pas évident. À l'intérieur. Oh la vache! Il est ressorti, faut faire gaffe, faut pas trop tourner les roues. Et l'aspiration. Oul! Au niveau du 12e virage, c'est Takuma Sato. Une chose est sûre, sa course est terminée. Christian Albert. Comment ça terminé? Il a touché. Oh là, je l'ai pas eu sa roue? Attendez, je vais faire rediffusion. Attendez, je vais voir ça quand même. Est-ce qu'on peut accélérer un peu? J'ai pas l'impression. Attendez, je vais quand même voir la bataille. Désolé, hein, mais bon, c'est vraiment parce que je vois ce qui s'est passé. Ah, par contre, la rediffusion, on est vraiment loin. En tout cas, belle passe d'armes. Hein. Je vais voir comment ça s'est passé. Je pense que je vais peut-être arracher le pneu en fait en prenant l'intérieur. A voir. Ah oui! Ah oui, d'accord. En fait, je lui ai tué le pneu quoi. Mais c'est un peu ce que j'imaginais quand même. Retour. Je crois que ça fait deux voitures hein, où j'arrache le pneu. En plus, c'est une Honda et une Super Aguri. Je pense que je vais me faire démonter. Allez, on va essayer de remonter sur Speed et Montero maintenant. Par contre, on a vu que c'était pas super bon plan de dépasser à cet endroit, hein, avec l'écart de vitesse. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai pas eu de dégâts. On lui dit, t'as 5 secondes, elle lui dit, ça va être plus difficile à rattraper. Hein. Je m'en veux de ce premier accident quand même. J'ai perdu beaucoup de temps. Non! Décidément, ce virage là, je peux pas le supporter. Il vient de faire un temps de 1:33.80. C'est sensiblement mieux que Felipe Massa. L'écart est maintenant de 1:08. Ah, je suis sûr que je peux remonter, mais il faut pas que je fasse de bêtises. On voit que j'ai quand même une trajectoire assez différente hein, par rapport à l'IA. Je suis plutôt extérieur, intérieur. Ils sont plutôt intérieur, intérieur-extérieur.
tout cas les points, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'abandon devant, je pense qu'on peut tirer une croix dessus aussi. Putain, c'est pas possible. Quand je pense à la quantité d'ailerons que j'ai et le peu de facilité en virage. Ça, on va dire. Voilà Massa en pleine attaque. Il vient de faire un temps de 1:33.52. Il commence maintenant à creuser son 31. En ligne de course, ils sont en 1:33. Moi, j'arrive même pas à dépasser les 1:36, quoi. L'écart est actuellement de 3 secondes 7. Ami course. Alonso est premier. Massa est deuxième. Ok, je l'ai bien pris. Juan Pablo Montoya est quatrième. Giancarlo Fisichella est cinquième. Schumacher est sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. 3 dixièmes de mieux dans la dernière portion. Ouais, bien pris aussi. Après, la voiture s'allège en essence aussi, hein, donc ça aide. Est-ce que speed, ça devrait le faire, hein. Je pense que je peux le dépasser. J'ai quand même un bon rythme. Oh là là, le dépassement, mais c'était même pas voulu. Je crois qu'il y a un problème au niveau du 14e virage. C'est Christian Albers. L'arrière gauche de la voiture est endommagée. Cet accident ne l'a pas obligé à quitter la course, mais il va devoir tout donner s'il veut finir. Ouah, ouais, j'ai l'arrière qui est pété. J'ai l'arrière qui est pété. Il s'en est sorti indemne. Pouah, j'ai l'arrière qui est pété. Ah, je peux rien faire. On va faire rediffusion quand même, mais... Aïe, j'ai l'arrière qui est cassé. Je pensais que j'avais une pénalité en fait par rapport à la touchette, mais non, mais en fait, Scott Speed a vraiment refait l'arrière. Et le tour qui talonne énormément aussi. C'est qu'au niveau des setups, c'est pas évident à régler, j'ai pas en plus tout tenter. Je me concentre vraiment surtout sur l'appui aéro. Ah mais je l'ai senti. À un moment je me suis dit je vais le taper, je vais trop vite. Du coup j'ai tiré tout droit et c'est vraiment le retour en piste. Là je pouvais rien faire quoi, c'était assez compliqué. Ah c'est là. Hein. Oh, le tout droit. Et là boum, là j'ai tapé, c'était fini. J'ai l'air qui est parti d'un coup. Et du coup, bah c'est mort. Oh putain. Oh bah là, je peux rien faire. C'est terminé. C'est terminé pour cette course. Bon, de toute façon, c'était fichu d'avance. Hein. J'avais vraiment... Avec le premier accident au départ, éliminé désormais de la course. Par j'ai arrivé au point. Je sais même pas qui on est là. Le circuit international de Sepang nous a fait vivre une course exceptionnelle. Inauguré en 1999, le circuit de Sepang... Ok, donc c'est Massa qui a fait le... qui a gagné. Devant Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella, Michael Schumacher, Button, Trulli. Voilà pour les pilotes dans les points. Luther Weber, Ralf Schumacher, Villeneuve, Udi, Montero, Speed, ID. Et ce qui est marrant, c'est que Bakeo, c'est ma faute. Sato, c'est ma faute. Je finis un tour. Bon. Et comme il dit si bien, on se retrouve donc pour la suite
Au Grand Prix d'Australie, Massa qui marque 20 points, Alonso 16. Ouais, voilà, bon, bah, c'est Raikkonen qui remonte un petit peu. Classement constructeur, c'est Ferrari, 27 points, 2e Renault, 3e McLaren Mercedes, 4e Toyota, 5e Honda, 6e Sauber BMW. Pour l'instant, 5 équipes pour marquer des points. Et bien, on va se retrouver du coup pour le Grand Prix d'Australie. J'espère que ça vous a plu, malgré la perte de la voiture, on va dire. Je commence à coûter beaucoup d'argent hein, pour Midland. Ça part pas très bien. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde.